premiers de l'histoire. Les premiers de l'histoire, Alban, on parle d'une évasion. Exactement, Lucas. Il y a 50 ans, deux gangsters français, je savais pas qu'on disait encore gangsters. Gangsters. Décidaient de quitter la prison de Fleury-Mérogis. Une sortie de prison spectaculaire. Axel avec un moyen de transport très particulier. Et oui, c'est le plus grand centre de détention d'Europe. La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a soufflé le 27 février dernier la 50e bougie de cet anniversaire très particulier. On est alors en 1981 et la prison abrite deux criminels. Enfin, un peu plus, hein, je vous rassure, il n'y a pas de criminels. Le centre de 2800 places pour juste deux gus, ça ferait un peu cher les impôts. Mais parmi ces prisonniers, on trouve donc Gérard Dupré et Daniel Beaumont. Deux gars qui sont tombés pour grand banditisme, un peu à la Mérine. Et comme tous les prisonniers de l'histoire des prisons, ils ne rêvent que d'une chose, se faire la malle. Oui. Mais petit problème, depuis sa création, 13 ans plus tôt, Fleury-Mérogis est LA prison dont on ne s'évade pas. LA forteresse étanche. Quand y est, c'est comme un repas de Noël avec la belle famille, t'en sors pas avant d'avoir vieilli. C'est la règle. Sauf que Gérard et Daniel, ils ont un plan. Et surtout, des complices à l'extérieur. Tu peux pas passer à travers les murs? Pas de problème, on passera par-dessus. Et pas question hein, d'escalader les murs comme des pauvres, ou pire, de creuser des trous. Non mais tu les as pris pour les Dalton. Gérard et Daniel font les choses avec panache. Il est 10h40, précisément. C'est pas du tout le bon son, c'est pas grave. Mais il est 10h40 minutes précisément, l'heure pour les prisonniers de faire leur balade quotidienne dans la cour principale, quand soudain, un hélicoptère débarque à toute vitesse, descend au-dessus de la cour et se stabilise à 50 cm du sol. Les gardes sont un petit peu interloqués, très décoiffés, m'a-t-on dit. Et c'est là que Gérard et Daniel foncent vers l'hélico à toute berzingue. Tu sais ce moment où tu vois ton métro sur le quai et tu cours comme un taré pour pas le louper? Oui. Bah c'est pareil, sauf que si il le loupe, c'est pas un quart d'heure qu'ils vont attendre, mais 20 ans. Pas trop envie de le louper celui-ci? Non. Il court vers l'hélico, il s'active, il saute dedans, sa grippe décolle. Sonnez l'alerte. La première évasion de Fleury-Mérogis vient d'avoir lieu. Et vous vous demandez surtout comment leurs complices ont obtenu un hélico. Oui, je lis dans vos pensées. Ils ont en fait pris en otage un pilote quelques heures avant l'opération et ce dernier venait d'ailleurs de tourner dans un film d'action. Mais non. Je vous le donne en mille, le nom du titre du film, c'est L'Évadé. Voilà, comme quoi. C'est incroyable. Mais c'est magique, Flo. En tout cas, Axel fait très bien le bruit de l'hélicoptère. On peut noter ça. Merci, Axel. Time break.